Allez-y, monsieur Diong. Ma question est la suivante. Vous avez toujours demandé un conseil après avoir eu un pataphère avec mes fils. Une confrontation avec Adissa n'est pas exclue. Elle vous prête une confrontation avec Adissa si le magistrat est juste le gouvernement. Monsieur, vous posez une question évidemment, vous avez même la réponse vous-même. Je crois qu'il faut poser, bien poser les questions. La procédure relève du juge et pas de moi. C'est le juge qui va décider des actes qu'il pose. Nous, on est à la disposition de la justice. Donc, c'est des questions qui se répondent d'elles-mêmes. La deuxième chose, je n'ai jamais demandé un procès. Soit vous connaissez la procédure, vous ne la connaissez pas. On est à la phase instruction. Si le juge instructeur décide qu'il y a non-lieu, on ne va pas en procès. S'il décide qu'on va en procès, on va en procès. Donc, ne me dites pas que vous avez toujours demandé un procès. Merci. Monsieur les journalistes, si vous n'avez pas de questions, on arrête. Il faut, c'est impertinent. On vient de répondre à ça, vous me dites c'est la même question. Allez-y. Merci madame, vous posez des questions de géopolitique. Le monde est ce qu'il est aujourd'hui. Il n'a jamais cessé de l'être, mais il faut comprendre qu'il y a des séquences dans l'histoire de l'humanité. Il y a des moments, la lutte d'influence, elle est liée aux États. C'est ça l'histoire de l'humanité. Depuis les royaumes, avant même les royaumes, depuis les tribus, chaque groupe tente d'étendre son influence sur les autres. Il y a maintenant des séquences, il y a des séquences plus ou moins agitées qui peuvent aller d'une sorte de guerre froide à des guerres physiques sur le terrain et il y a des périodes plus ou moins d'accalmie. Nous étions sortis d'une période plus ou moins d'accalmie avec des soubresauts. Depuis la guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale jusqu'à présent, on a connu peut-être la guerre d'Irak, on a connu la guerre au Vietnam, on a connu la guerre en Syrie, etc. Mais c'était concentré quelque part et ça n'avait pas pris un certain nombre d'une certaine importance. Là, on est dans une phase beaucoup plus chahutée parce que elle oppose les blocs qui s'étaient opposés dans la guerre froide. Vous avez la Russie qui est l'émanation de l'URSS, vous avez la Chine, donc le bloc communiste, et de l'autre côté, vous avez le monde occidental. Cela nous amène à la situation que nous connaissons. Guerre sur le territoire européen, on pensait que c'était révolu. Menace de guerre en Asie, aussi bien entre les deux Corées qu'entre la Chine et Taïwan, ce qui impliquerait certainement les États-Unis. Menace de guerre en Asie orientale, entre l'Iran, notamment, et l'Arabie Saoudite. Évidemment, cela rend le monde beaucoup plus incertain. Et au-delà de ça, il y a la guerre d'influence économique. Quelle est notre position? Les Africains doivent assumer leur destin. Il faut qu'on arrête de penser qu'on doit toujours être sous le couvert de quelqu'un. Les gens pensent que nous sommes contre la France. Le débat ne se pose pas comme ça. Nous voulons avoir des relations d'égal à égal, équilibrées, équitables avec tout le monde.
Nous n'allons pas quitter une domination pour accepter une autre. Quand je vois nos frères burkinabés faire, en tout cas sortir pour manifester leur satisfaction après un coup d'État, porter le drapeau russe, je dis, il y a un problème. On ne remplace pas la France par la Russie. On veut traiter avec tout le monde d'égal à égal. Et on veut surtout être libre et digne. Mais l'Africain pense toujours qu'il faut qu'il soit sous le couvert de quelqu'un. Nous ne remplaçons pas la France par la Chine ou par les États-Unis. Nous voulons traiter librement, équitablement avec tout le monde. Et nous n'accepterons aucune domination. Parce que souvent, quand on parle de ça, les gens ciblent la France parce qu'on a une histoire coloniale. Mais savez-vous que certaines nouvelles puissances ont des pratiques beaucoup plus nocives à notre endroit que la France? Vous le savez. Quand des puissances viennent signer avec nous, nous prêtent de l'argent, nous imposent leur entreprise, ne payent pas l'impôt, même l'eau qu'ils boivent, ils amènent ça de chez eux. Et pire encore, gage la dette qu'ils laissent ici, sur nos infrastructures. Si vous ne payez pas, je prends le port. Si vous ne payez pas, je prends telle chose. Ces pratiques sont beaucoup plus dangereuses que ce qu'on craint avec la France. Et donc, nous, notre ligne, c'est la ligne de la souveraineté. Ce n'est pas une ligne de changer une domination par une autre, un complexe par un autre complexe. Je ne vais pas développer trop longtemps. Pour la seconde question, notre position a toujours été très claire. Nous réclamons l'organisation d'une élection présidentielle en 2024, libre, transparente, démocratique, à laquelle participeraient tous les acteurs politiques qui remplissent les conditions. Donc, à l'exclusion de Macky Sall, ne remplit pas la condition. Et qui ont été, dont certains ont été empêchés par des manipulations judiciaires pour les écarter de la course. Et c'est pourquoi nous n'avons même pas attendu ça. Nous avons instruit nos députés de préparer un projet de loi pour la modification des articles L29, je crois, L30, pour régler la question de l'éligibilité. Et des juristes sont en train de travailler dans ça. Lorsque nous travaillons pour mettre en place notre coalition, c'est moi-même qui me suis levé pour dire qu'il faut qu'on inscrive dans la charte l'amnistie obligatoire pour Khalifa Sall et Karim Wade. Nos amis du PDS ont dit non. Nous, on n'est pas intéressé par une amnistie. Tout ce qu'on veut, c'est la révision du procès et la modification des dispositions du code électoral, et cela suffira. Mais nous, dans notre charte à Yewi Askanmi, on a inscrit l'amnistie. Vous savez, moi, je ne triche pas en politique. Et je n'ai pas peur d'adversaires politiques. Je fais mon travail sur le terrain et je laisse le reste au Seigneur qui fait passer son choix par le peuple sénégalais. Nous sommes arrivés là où nous sommes. Nous ne devons quasiment rien à personne. Donc je n'ai pas peur d'adversaires politiques. A fortiori, quand c'est des partenaires politiques. Le président Khalifa Sall, tout le monde connaît nos relations. Donc, les gens qui essaient de faire la confusion, si ces gens-là reviennent, ça ne fait pas l'affaire de Sonko. Absolument pas. Moi, je fais mon travail. Nous savons d'où nous sommes venus. Nous savons le chemin que nous avons parcouru. Nous savons où nous en sommes aujourd'hui. Et nous sommes convaincus d'avoir tous les atouts pour gagner la prochaine élection présidentielle. Donc, je ne me focalise pas sur tel ou tel adversaire. Voilà, je vous remercie. Prochaine question. Je suis Bernard Khalidjian de l'Afrique Asset. Voilà, par rapport au dossier, en fait, nous avons constaté que depuis le début du dossier, vous faites allusion à un complot. Est-ce que vous croyez que, actuellement, ainsi que votre pool d'avocats, vous disposerez suffisamment de preuves, parce qu'on laissait en matière de justice la preuve incombe au demandeur, au cas où vous auriez obtenu le non-lieu pour la pénalité sable et que vous pourriez entamer une procédure pour véritablement élucider le complot? Est-ce que vous disposez suffisamment de preuves pour véritablement pouvoir obtenir bien le coup? La deuxième, 14 personnes ont été tuées lors des événements de mars 2021.
vous avez un bout d'avocat, ce qu'on a dizaine pour ne pas dire donc 20 avocats. Donc aujourd'hui, est-ce que Ousmane Sonko en personne va faire la même chose pour véritablement avoir des avocats pour qu'un procès soit très rapidement mis en place pour élucider donc la mort de ces 14 jeunes qui ont été pardonnés? Merci. Je pense que. Non. Attendez. Je pense que Monsieur Sen, bien. Votre première question, si je me rappelle bien, a trait à aux preuves. Je crois avoir suffisamment déroulé sur cette question. Franchement, je vous aime bien, Monsieur Dien, mais et non seulement j'ai suffisamment déroulé sur cette question, mais j'ai dit, je n'attends même pas le non-lieu, puisque je vous dis que je vais déposer un recours contre Seigneur Bassiroudien. Par rapport aux accusations, je ne peux entamer une procédure que lorsque celle-là sera achevée. C'est pourquoi on ne l'a pas fait. Mais par rapport à Seigneur Bassiroudien, je vous dis que dès lundi, je déposerai une plainte. Donc je crois avoir répondu largement à cette question. Pour les 14 morts, j'aimerais bien de temps en temps que les journalistes puissent accéder à Macky Sall pour lui poser ces questions. Vous savez, moi je ne gère pas l'État. Je ne peux pas contraindre la justice à ouvrir un dossier, mais on l'a demandé. On a déposé dans le cadre du M2D. On a saisi la justice internationale également. Et vous avez vu la directrice d'Amnesty quand elle est passée l'autre jour. C'est à l'État. Et l'État avait annoncé une enquête. Mais demandez à l'État où se trouve l'enquête. Moi, je ne peux pas faire l'enquête. Les questions, il faut les poser aux vrais acteurs. C'est la justice qui doit traiter le dossier. C'est l'État qui doit ouvrir une enquête. L'État ne fait pas, la justice ne fait pas. Que voudriez-vous que moi je puisse faire? Mais absolument rien. Alors, pour le reste, c'est les deux questions que vous avez posées. Voilà. Je prends une dernière question parce qu'il est l'heure de la prière. Et il faut changer. Il faut changer de côté. Vous êtes déjà candidat à la présidentielle prochaine. Est-ce que vous ne pensez pas que le dossier à l'ISA soit vidé avant cette échéance? Ou s'il n'est pas vidé, est-ce que ne constitue pas quand même de l'occasion de bien le chef de plomb que vous empêcherez d'être? Mais comment ça? Mais monsieur, c'est monsieur Barry, ce dossier était là quand j'allais aux élections législatives. Il était là quand j'allais aux élections locales. À la limite, ce dossier m'a renforcé, moi. C'est un dossier qui nous renforce et qui nous a beaucoup renforcé. Je me demande, est-ce qu'il faut pas rendre grâce à Dieu qu'il y ait eu ce dossier. Ce qui est constant, c'est que je serai candidat en 2024, Inch'Allah. Et j'ai très bon espoir d'être le prochain président de la République. C'est tout ce que je dis. Vous posez en français, je réponds en français. Monsieur, vous posez une question répondue. J'ai répondu à ça, monsieur. Soit vous n'écoutez pas, soit vous. Voilà. On a répondu à tout. Il est l'heure de la prière. Merci beaucoup.